Aujourd'hui, un savant fou va me donner une potion pour devenir intelligent, parce qu'apparemment, je serai très très bête. Grâce à cette intelligence acquise, je vais pouvoir construire une voiture pour 308 OD, et je vais même construire un parc d'attractions pour Sirius, et je vais même pouvoir abandonner mon enfant. On est obligé de le laisser dans le montage, ça? Ça fait quand même un peu bizarre. Les amis, j'en ai vraiment marre. Sur YouTube, il y a tout le monde qui dit que je suis vraiment très bête. Bon, on va essayer de remédier à ça aujourd'hui, en compagnie de 308 OD, Bob et Sirius. Attends, mais t'es pas mon Bob, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Mais dégage! Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Même si toi, je t'aime pas, bah, c'est beaucoup mieux. Bon, Descartes, en fait, là, on en a marre. Tes endroits, c'est de plus en plus nul. Quoi? T'es vraiment débile, on en peut plus, nous. Mais voilà. T'es sérieux? Mais attends, mais les copains, mais vous êtes tous en train de partir? Oh, débile! Quoi? Mais. La vidéo, ça sera sympa. Mais je suis pas si bête que ça, mais. En plus, c'est toi qui parles, 308 OD. Non mais sérieux quoi, les amis, y'a tout le monde qui est en train de m'abandonner parce que je suis bête. Non mais attendez, dites-moi en commentaire vraiment, parce que c'est bizarre toi, quand même. Là, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu toutes tes vidéos, t'es vraiment débile. Quoi? Mais bah tiens, attendez. C'est potion. Mais potion, vous êtes tous... Potion, potion, quoi? Potion. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui vous êtes? Bon mais... allez, ou sinon je te tire dessus. Wow, wow, attends, mais what the fuck, mais ils sont tous montés contre moi, mais qui vous êtes? Monsieur, revenez. Wesh, bon, bah il est parti apparemment. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme potion? Potion de d'explosion, ok, pas très français. Potion de débile, ok. Potion de d'intelligence et potion de transformation de chase. Mais attendez, mais j'en ai rien à faire de toutes ces potions. Eh hey, mais, attends, potion de d'intelligence, même si le nom me porte pas confiance, est-ce que j'essaierai pas de la boire? Pour peut-être plaire un petit peu plus à tout le monde. Bon les amis, je suis pas sûr de ce que je vais faire, restez bien jusqu'au bout pour voir ce qui va se passer. Ok, je bois la potion, c'est parti. Wow, j'ai l'impression d'être tout bizarre la team. Je sais pas, j'ai l'impression d'être bête mais en même temps intelligent. J'ai jamais eu cette sensation, c'est très bizarre, je vous la conseille pas. Mais il y a quelque chose qui a changé, attendez. Waouh, c'est quoi ces yeux? Ils sont totalement immondes, on dirait ceux de 308D, c'est dégueulasse. Bon, ok. C'est bizarre, je me sens vraiment plus intelligent que d'habitude. Genre, je saurais calculer le boson de Higgs divisé par la racine carrée de... Non, je déconne, on est sur YouTube, croyez pas que je vais vous sortir un calcul comme ça. Bon, je pense que, vu que je me sens un petit peu plus intelligent, il faudrait essayer de mettre ce pouvoir à profit des personnes de ma famille qui, en ce moment, me détestent un peu, parce que j'ai l'impression que dans les vidéos, je suis un peu la victime en ce moment. Que ce soit chez Razen ou que ce soit bah, dans mes vidéos, tout simplement. Il faut que je trouve quelqu'un de ma famille. Attends, 308 OD, parfait. Il faut que je lui demande s'il a besoin d'aide. 308 salut. Oh, salut le débile. Non. Yeux dégueulasses. Mais arrête de dire que je suis débile, c'est pas totalement vrai. Bah si, un petit peu, mais bon, t'as pas un truc à me faire faire, je m'ennuie. En fait, là, je dois pimper cette voiture, hein, tu vois. Pimper cette voiture, c'est tout? Bah, c'est trop simple, attends, mais moi je vais t'en faire une totalement de A à Z de voiture. C'est tout ce que tu veux faire, mais c'est trop facile. Pour faire une voiture, il suffit juste de prendre une boîte. Qu'est-ce qu'on va prendre? Attends, on va prendre, je sais pas, je pense que tu préfères une voiture un petit peu tout-terrain, non? Oui, exactement. Ouais, je m'imaginais bien. Tu la veux de quelle couleur, ta voiture? Un bon violet. Du violet, très bien. On veut violet foncé, on va faire peut-être... Alors, on va prendre ça. Je vais prendre un petit peu de noir, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et tu vas voir une super voiture. De toute façon, je t'ai jamais dit que je suis un constructeur de voitures professionnelles. Ah bon, tu t'appelles Céantis? C'est qui, lui? J'ai pas compris la blague. Il y avait une blague? Constructeur automobile. D'accord, dites-moi les amis si vous avez compris en commentaire, mais moi j'ai rien compris. Bon, bref, hop, du violet comme ça, ça te va? C'est un peu rose Barbie en fait. Je m'en fiche, ça te va très bien. Tu resteras avec ça, après qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, on va pimper la voiture du coup, comme tu m'as demandé. On va lui mettre un très bon moteur. Allez, c'est parti, hop, toi, tu montes juste là. Il va me falloir une petite clé, voilà comme ça. On va prendre le moteur, on va prendre ça. C'est beaucoup trop simple pour moi. Est-ce que je dois y changer ses roues? On va voir. Tiens, je vais prendre des roues de sport. Je pense que ça peut être plutôt pas mal des roues de sport. T'en penses quoi? Hop, et voilà ta voiture. Normalement, elle doit aller assez vite. Oh, ça a l'air plutôt pas mal. Hey, j'ai l'impression que je fais plutôt des bonnes voitures. Moi, attendez, regardez. Pourtant, j'ai jamais construit de voiture de ma vie et je sais faire ça de A à Z. Tiens, je te rends ta voiture. Prends-la et va-t'en. Ok. C'était tout. Bon, bah, même pas un merci, de rien. Hein. Ils s'en fichent. Oui, merci, Descartes. Ouais, de rien. Je suis plus. T'as vu, je suis plus très bête, hein. Il est parti, il est plus là. Bon bah tant pis. Ok les amis, j'ai l'impression que vraiment il y a un petit truc. Je me sens vraiment plus intelligent que d'habitude. Je vais essayer de trouver un autre membre de ma famille pour l'aider. Attendez.
J'ai peut-être ma petite idée. Je vous rappelle que le petit Bob là, il faisait pas partie de ma famille avant. C'est juste l'enfant de l'autre grand Bob, si vous suivez mes vidéos. Et moi, cet enfant, j'ai jamais pu le voir. Je ne l'aime pas du tout. Bah, sauf que quand je suis bête, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Mais maintenant, j'ai plein d'idées en tête. Il me semble qu'il y a un marché noir dans la ville juste là-bas. On va voir si on peut pas vendre des enfants. Wow, alors attendez, je vais plus jamais dire ça sur YouTube. Moi, je vais me faire ban. Non, vraiment, YouTube, c'est pas ce que vous croyez. Non, on est dans une vidéo Minecraft. Tout va bien. Attendez. Du coup, on va essayer d'aller voir ça. Bob, t'es là? T'es peut-être à l'étage? Oui. Mais regardez, déjà avec sa voix, on dirait pas du tout un enfant, Bob. Bob, j'ai une petite suggestion à te faire. Est-ce que t'aimes bien les parcs d'attractions ou la pêche? Ouais, j'aime bien les parcs d'attractions. T'aimes bien les parcs d'attractions? Génial, ça te dirait une sortie entre mecs? Oui. Ouais, vas-y, suis-moi, j'ai un super parc d'attractions à te proposer. Bon, tu vas voir, c'est plutôt un parc avec un thème très enchanté, mais il y a des côtés un peu sombres. C'est bon pour toi? Ok, bon. Yes. De toute façon, il est trop bête pour comprendre, donc franchement... Bon, il va... Aïe, c'est bon, tranquille, me tire pas dessus. Il va falloir que je le donne à quelqu'un, que je l'abandonne ou quoi que ce soit. Il va falloir que je trouve quelqu'un qui est quand même un petit peu gentil, parce que mon but, c'est pas d'éliminer cet enfant. Bon, on va voir sur qui on tombe. Ça va, tout va bien ? Du coup ? Ouais ? Du coup, je peux te montrer un truc ? Ouais, ça dépend, c'est quoi ? Wesh, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu me prends des incantations? Ouais, non, mais toi tu ne t'appelles pas Baptiste, pour ceux qui ont la référence dans les commentaires. Bon, tiens, monte dans la voiture avec moi. On va faire un petit tour, tu vas voir, ça sera cool. Allez, monte. Attends. Allez, c'est parti, let's go. Du coup, il est vers le village Cartoon, le parc d'attractions. J'espère que tu vas aimer. Allez, c'est parti, okay. Team. Du coup, on y va. Ouh, la route est légèrement détruite. Je me demande si c'est pas une vidéo de Razen qui a fait ça. Allez, c'est parti, let's go. Ok, ça va, on a quand même réussi à passer. J'espère que là-bas, c'est un petit peu plus à droite. De quoi ? Tu roules vite. Bah ouais, faut aller vite quand même dans la vie. Moi, je suis Sonic, on t'a jamais dit que j'étais Sonic ? Non. Ouais, bon, j'avoue, la blague, elle était pas terrible quand même. J'aurais pu trouver autre chose. Il est où, papa ? De quoi ? Il est où, papa ? Ton père, je sais pas, il t'a peut-être abandonné. Il avait pas totalement tort, d'ailleurs. J'espère qu'il a pas entendu ce que j'ai méchant. Dit. Non. Bon, allez, suis-moi. On va du coup aller vers là-bas. On va aller chercher s'il n'y a pas des gens. Bonjour, il y a quelqu'un dans cette ville ? Non. Peut-être ici. Il y a rien ici. Personne ? Bonjour ? Attendez. Bon, il y a un Toad là-bas à la rigueur, mais je pense qu'un Toad n'est pas assez intelligent pour s'occuper d'un enfant, donc on va peut-être trouver autre chose. T'es là, tu me suis ? Oui. Ouais. J'ai des petits bras. Oui, d'accord, mais ça c'est pas mon problème. Ok, ouais, il y a plein de Toads ici. On va quand même éviter d'aller vers le marché noir. Hein. On va trouver autre chose. Viens avec de moi. Quoi, le marché noir, y a tout qui est cassé. Le marché noir, c'est le nom du parc d'attractions. T'es où? Je sais pas, toi, t'es où? Je suis là, viens. J'ai cru entendre quelqu'un. Et cette voix m'était un petit peu familière. Attends, suis-moi le petit truc là qui ressemble à un chewing-gum, s'il te plaît. Attendez, je crois que ça vient de là. La team, est-ce que ce serait pas Apu? Peut-être que c'est Apu. Tu restes dehors 2 minutes? T'es où? Ouais, de toute façon, t'es assez long, donc reste dehors, j'arrive. Hop, let's go, on ferme les portes. Apu? Apu, t'es là? Wesh, il est où? Oh. T'es à l'étage? Apu? Mais t'es où, toi? Ah, mais c'est pas dans le magasin. Ah, mais t'es où, Apu? Oh, mais je suis pas très loin. Bon, attends, tu dois être derrière le magasin, j'arrive tout de suite, Apu. Attends, je suis derrière le magasin. Non, je te vois pas. Apu, t'es là? Ouais, je suis là. Oui, t'es là, mais moi je te vois pas. Et pourtant, je suis intelligent. J'étais derrière le muret. Et qu'est-ce que tu faisais derrière le muret, Apu? Je cherchais quelques trucs. J'ai perdu un stylo que je devais vendre. Est-ce que t'étais en train de voler la maison des Simpsons? Bah non! Ouais. Il y a un petit garnement là qui a jeté un stylo de l'autre côté. Oh, tiens, ce garnement, je le connais. Est-ce que tu veux lui mettre une punition ou quoi que ce soit? Oh, mais oui. Ouais, ok, super. Bah, il est devant le magasin. Je te laisse t'en occuper. Hein, c'est un bien garnement. Faut vraiment le punir. Et toi, le mettre en prison et tout. Viens là. Ok, je crois à la team que je m'en suis débarrassé. Viens ici. Let's go, moi je rentre à la maison. Vite. Ok, let's go. Je m'en vais. C'est parti. Oh là là, ça y est, j'ai réussi à me débarrasser du petit Bob. Enfin. Bon, je crois que c'est une très mauvaise chose d'être intelligent au final. Hein. Ne faites jamais ça. Ne vous débarrassez jamais de quelqu'un dans la vie. C'est très mauvais. Heureusement qu'on est dans une vidéo YouTube. Bon, alors la voiture, je sais plus où je l'avais mise.
Il faut vite que je la retrouve avant que le petit Bob me suive. Je crois qu'elle était peut-être là-bas, ou alors peut-être que je l'ai tout simplement perdue. Oh non, la team, je crois que j'ai perdu la voiture, je vais devoir rentrer à pied. Oh là là, oh, ça c'est vraiment pas cool. Bon bah, je fais une ellipse et on se retrouve quand je suis à la maison. C'est parti, let's go. Les amis, j'en peux plus. Ça fait une demi-heure que je marche, c'était très très long, mais ça y est, je suis enfin arrivé tout seul. Oh, c'est bien de profiter un petit du calme, c'est vraiment cool. Bon, non. Non. Qu'est-ce que... Bob, ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'était trop bien le parc d'attractions. Ah, bien ouais. Kiffé, là. T'as aimé le parc d'attractions? Ouais, surtout la piñata. La piñata, comment ça la piñata? Bon, en gros, j'ai tapé avec ça. Non. Non, tu rigoles là, t'as pas fait ça quand même. Les amis, je crois que je dois légèrement m'inquiéter là pour Apu, non? Il a pris Apu pour une piñata, hein, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Qui Apu? Non, c'est personne. C'est un ami imaginaire, en fait. Je m'imagine des amis imaginaires. Oh, oh, stop avec ton flingue, franchement. Bon, bref. Oui, mais moi, je te déteste. Oui, oui, j'ai compris que tu me détestais. Retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Oh, la team. Non, Quoi? Du coup, je peux écouter l'atelier? Ouais, vas-y, regarde la télé. Reste là et regarde la télé. C'est une très bonne idée. Ok, la team. Bon, bah, c'est un total échec. Il a réussi à revenir à la villa. Bon, en même temps, fallait s'y attendre. Hein. C'était un enfant. Mais je crois qu'Apu va vite finir à l'hôpital au final à cause de moi. Bon, j'ai aidé deux personnes. Bah, du moins, non, j'ai pas aidé deux personnes. J'ai aidé une personne et j'ai voulu du mal à une autre. Mais il m'en reste toujours une qu'on n'a pas vue. Sirius. J'espère qu'il est dans sa maison et j'aimerais bien savoir ce que lui il veut que je fasse. S'il a une petite idée de ce que je pourrais l'aider à faire. Parce que, quand même, pour l'instant, j'ai un gros cerveau. Donc, tant qu'à faire, il faudrait peut-être l'utiliser. C'est assez rare d'avoir un gros cerveau quand même. Bah, du moins pour moi. Allez, let's go. La chambre de Sirius est juste là, la team. Je vais rentrer dedans. Oh, l'eau, c'est froid. Ok. Je suis. Je suis dans la chambre de Sirius. Sirius, ça va? Ah ouais, ça va, je faisais un gâteau, tu t'en veux? Non, t'as peut-être mis du poison dedans pour m'éliminer, non? Non, t'inquiète, c'est ouais. Que du chocolat. Ouais, bah tu le donneras à Bob. Ouais, t'es chaud? J'en mange aussi. Ok. Bon, dis-moi, Sirius, t'as pas une mission à me faire faire? Je m'ennuie. Bah, en fait, moi aussi, je m'ennuie. Et tu veux pas faire quelque chose? Bah, en fait, en temps normal, bah, je sais pas, j'aurais bien voulu un grand 8, tu vois. Un grand 8 dans la maison. Ouais, dans la maison. Le oh là là, c'était ça ta mission, genre, faut vraiment que je te fasse un grand 8. Bah ouais. T'as de la chance parce que j'ai pas fait d'études d'ingénierie, mais pourtant, je réfléchis comme un ingénieur et je saurais très bien te faire un grand 8. C'est parti, let's go. Ouais, je sais, non, mais je suis intelligent aujourd'hui, c'est pour ça. Tu veux que le départ il se fasse où? Mais encore tout à l'heure, tu faisais une intro frauduleuse. Oui, bah c'est bon, on a compris. Tu veux où le départ de ton grand 8? Je veux juste ici, dès mon entrée. What the fuck? Mais ça sera pas une boucle alors, hein, ça sera juste une ligne droite. Ah bon, bah ok. Bah oui, tu l'as mis à côté d'un mur. D'ici. Ok, ici c'est bon, je pourrais te faire une boucle ici. Bon, qu'est-ce qu'il me faut pour faire un grand 8? Bah, il faut tout simplement un petit wagonnet. C'est parti, hop, on prend ça. Je vais quand même garder les potions au cas où. On va prendre ça. On va prendre ça, voilà. Ça peut toujours être utile. Ceci, ainsi que cela. Ça vire. Et on va prendre une petite torche de redstone. Allez, j'espère que t'es prêt parce qu'il va être incroyable, ton grand 8. Let's go. Donc, okay. Le départ, on le fait là. Hop, ça dégage. On met la torche de redstone juste en dessous, voilà. Hop, tiens, bah ça vire, dégage de là, toi, voilà, nickel, hop, comme ça, super, je te fais passer dans l'eau. Ouais. Allez, c'est parti, je te fais passer dans l'eau, alors, heureusement que je peux voler, que je suis en créatif et qu'on est dans Minecraft. Mais comment tu fais pour savoir ça d'une heure à l'autre? Mais c'est parce que moi, je suis trop fort, tout simplement, vous avez jamais cru en mes talents, mais moi, j'en ai un peu des talents aussi. Tu crois pas? Alors, à part faire de musique, je connais aucun talent. Ouais, bah merci beaucoup, mais au moins c'est gentil. Je crois que c'est gentil. C'est gentil ou c'est méchant? Les deux. Ok, merci beaucoup. Bon, là, du coup, t'as un bon musique. Début. Bon, là, je t'explique. Ici, c'est pour aller plus vite, tout ce qui est en rouge. Ici, c'est des rails normaux, donc c'est là où tu vas aller à une vitesse totalement normale. Ici, ça serait bien que tu te manges le mur, voilà. Comment je vais faire? Attends. Une potion qui est totalement inutile. Tiens, celle de Chase, je vais pas utiliser aujourd'hui. J'ai pas compris. Non, cherche pas. Tu manges le mur, ok. Quoi? Non, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Laisse tomber. Hop, ok, là, on fait rejoindre les rails, let's go. On va les faire remonter, je pense que la vitesse sera assez bonne.
Comment je vais faire ici? On va faire aller plus doucement. Voilà, comme ça. Il va falloir que je mette une petite torche juste en dessous. Je peux pas poser de torche. Tiens, Sirius, tu peux servir à quelque chose? Tu mets un bloc juste là, s'il te plaît. N'importe lequel, mais pas okay. De la glace. Ouais, voilà. Ah. De la roche. C'est très bien, de la roche. Vas-y, let's go. Super. Donc là, ça va te ralentir un petit peu. Et ben, on va te faire retourner à ton point de départ. Et voilà, normalement, ton grand 8 est construit. Tu veux qu'on l'essaye? Ouais. Allez, c'est parti, let's go. Hop, je monte dans le wagon, la team. C'est parti. Et on va voir si je suis un bon ingénieur et je sais construire le grand 8. Wow. Oui, ok. Wow, en fait, il était très rapide, le grand 8. Il était assez simple, mais efficace. Et en plus, c'est une boucle. J'ai la tête qui tourne. C'est le but d'un grand 8. Oh, la team. Ouais, moi, je vais descendre. Je crois que je vais vomir si je continue à rester là-dedans. C'est une très mauvaise idée pour moi. Sirius, tu devrais descendre aussi, je pense. C'était dégoûtant ce que tu viens de faire. On est d'accord, t'as vomi là. Ouais. Mais vu qu'on est dans Minecraft, t'as utilisé des tapis. Ouais. Ouais, ok, je me disais bien, oui, c'est un jeu d'acteur. C'est marrant. Ouais, très bon jeu d'acteur, bravo. Bon, moi, je trouve ça bien d'être intelligent, mais je vous avoue que ça me manque un peu quand j'étais bête. Ça te manque pas? Si. Ouais, oh, on est d'accord du ouf. Bon, en fait, je vous avoue, je n'avais pas de script pour cette fin de vidéo, donc j'ai fait ça, ce qui veut dire que par la suite, je vais juste boire la potion de débilité pour redevenir comme avant. Ah, tiens, j'ai vraiment envie de boire la potion de débilité, t'en penses quoi? Ah ouais, est-ce que t'as la potion de chaise? Non, je l'ai jetée. Ah, dommage. Bon, bah allez, tant pis, les amis. Attends. Tiens, tu veux boire cette potion, s'il te plaît, juste pour voir comme ça? C'est quoi? C'est juste un potion. Truc... Ouais, vas-y, essaye-la. Alors, potion d'explosion, on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai vraiment envie de savoir, tiens, c'est bizarre. Je vais juste m'écarter un peu, tu m'en veux pas? Ok, let's go. S'il vous plaît, faites que ça se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, mais c'est nul ton jeu d'acteur là, il est éclaté. Ça fait. Mais Sirius, c'est pas comme ça qu'on explose. C'est pas en mettant de la TNT par terre. Pourquoi pas, au final, on est dans une vidéo Minecraft, hein, tout est permis, vous me direz. Bon, c'est parti pour revoir du coup cette potion de débilité. Let's go, team. 3, 2, 1. Wow, c'était bizarre quand même d'être intelligent. Ça va, Sirius? Attends, je crois que j'ai pas encore fini les effets de potions là. Quels effets de potions? Non. T'es en train de me parler des TNT? Sirius, ça commence à être très longtemps. Oh oui! Ok, là j'avoue, il y avait pas de TNT. Bon, ok! Attendez, mais c'est quoi tout ça que j'ai dans mon inventaire? Mais même pas, en vrai, je touche à ça, c'est trop compliqué pour moi. Bon, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu n'importe quoi, mais c'est ce qui fait son charme. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait combien en plus 1? 1 plus 1, bah 11. J'imagine, non? Ah ok, bah non, ça fait 6 en fait. Ah ouais, en fait, je suis pas le plus bête de la famille, apparemment. Bon, un grand merci à tous les acteurs qui étaient présents dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle musique qui est sortie sur la chaîne de musique. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche tout de suite en haut à droite de votre écran. Sur ce, c'était DK. Vous connaissez la fin, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire si c'est le cas. Bisous à tous.